Et salut, salut tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, bah voilà, moi je reviens du taf tranquillement là. Et bah ça va quoi? Ça va, ça va. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. J'ai vérifié sur le retour, on dirait que c'est bon. Et bah écoutez, comme je vous avais promis un deuxième live dans la semaine sur un Assassin's Creed, et bah ça sera sur Unity. Pourquoi? Parce que... Pourquoi pas Valhalla? Alors, on va commencer déjà par là. Alors, je précise directement que cet avis est subjectif. Il n'y a rien d'objectif dans ce que je vais dire, étant donné que c'est un avis. C'est mon avis, c'est personnel. Mais pour moi, du coup, j'ai perdu le nom d'Assassin's Creed avec depuis quelques épisodes déjà. Origin, malgré son côté un peu infiltré, avait déjà perdu un peu ça, je trouvais. Et à partir d'Odyssée, on était déjà plus du tout dans la gamme des assassins. Certains m'ont dit et me disent, j'avais vu des commentaires comme quoi on m'avait dit que oui, mais par rapport aux Issous, alors pour ceux qui ne savent pas, les Issous sont les précurseurs des technologies ancestrales divines, entre guillemets, dans le jeu, quoi. Et je l'explique très très mal, hein. Vraiment très très mal. Certains vous l'expliqueront bien mieux que moi. Si vous voulez regarder des vidéos explicatives sur les Issous, je vous incite à regarder le terme exact et ce que ça signifie. Et ce qu'ils sont pour la lignée des Assassin's Creed. Et sachant qu'ils sont quand même très importants et très, très majoritaires, hein. C'est un peu leur petite découverte qu'on est en train de faire au fur et à mesure. Enfin bref. Et du coup, bah, j'ai pas. Comme j'avais déjà trouvé le temps de jeu très long dans Odyssey pour un gameplay. On dirait, je dirais très sympathique, mais à force très redondant. Plus de 200 heures de jeu pour terminer tout avec les DLC. J'avoue que ça m'a un peu, comment vous dire, j'ai moins de temps à investir. J'ai pas 200 heures à repasser quoi. Je préfère encore mettre 70 heures dans un bon Assassin's Creed à l'ancienne. Et Unity a une partie coopération et c'est ce que j'apprécie énormément, c'est-à-dire qu'on peut faire des missions ensemble avec d'autres joueurs et ça a un côté extrêmement positif et extrêmement agréable. Tout comme ça peut être très pénible, ne se le cachons pas. Mais de pouvoir partager son aventure avec d'autres assassins, c'est quelque chose que je trouve cool. Bon alors bien sûr c'est pas sur toute la map, hein, c'est uniquement sur certaines missions. Mais voilà, c'est. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas le titre, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, bah, on joue Arnaud. Unity se passe en plein Paris, et c'est aussi pour ça que c'est un titre que j'apprécie énormément. Sachant que, bon, bah, pour ceux qui me connaissent, je pense que vous savez déjà, mais j'apprécie beaucoup les licences Zelda, Pokémon, Kingdom Hearts, Final Fantasy, et bien sûr Assassin's Creed. Qui va avec, même si voilà, j'adhère plus réellement avec le concept de fin. Donc, du coup, j'avais déjà bien avancé dans le jeu, enfin, bien avancé. On est à la session 5, je crois, et on va faire la suite d'ailleurs. On va essayer d'avancer un peu. J'avais bien exploré la partie du coup nord, mais je n'avais pas du tout exploré la partie sud, donc ça va être l'occasion de le faire, je pense. Et on va faire ça ensemble ce soir. Donc j'espère que tout le monde va bien et que ça vous fait plaisir d'être là. Pour l'instant, il n'y a encore personne. Mais qui sait? Ah si, deux petites personnes, mais bon, c'est léger.
Alors c'est un titre que j'ai pas fait depuis longtemps, donc j'avoue que je me remémore les passages au fur et à mesure que je refais Quatre cents l'histoire. nobles en armes honorées, sans la présence du général Lafayette. Assez! Veux-tu bien cesser tes jérémiades? Tu ne fais que parler sans agir. Et voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Parlons. Qu'as-tu appris de l'orfèvre? Du poison. Quelle vermine. Germain a fabriqué cette épingle ainsi que d'autres pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr? Certain. Le grand maître de la serre le tenait en haute estime. Fort bien. Ta mission est claire, Arnaud. Trouve Monsieur Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un bon sang, qu'est-ce qui t'a pris? Tout défier le la prochaine fois que tu vas foutre du conseil, je ferai toi une unique. Ce conseil admire ton zèle, mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de Monsieur de la Serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Penser? Suggérant? Je ne suis plus sûr des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti Monsieur de la Serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant. Mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoique Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission, Guillaume. Ah! Alors va, vois ce que tu peux apprendre. Mais, pas d'autre imprudence. Hmm? Oui. Oui, mentor. Oui. Oui, monsieur. J'essaierai de pas tuer des gens comme ça. Oh. Je suis un assassin, j'ai plus rien. Alors, déjà, faut sortir. Rejoindre l'hôtel de Beauvais. Ok. Bah, let's go. C'est où déjà? On va regarder où c'est. Ouais, ok, d'accord. On va pas s'embêter. Bah, je dis ça, mais j'ai pas de point de TP. Comment ça se fait que j'ai pas de point de TP tout près? Et c'est parce que je suis pas sorti. Voilà pourquoi. Je suis encore dans le sous-sol des assassins. Ça marche pas bien. Franchement, la reproduction de Paris à l'époque, je la trouve vraiment très très belle. Salut, salut! Tac. Alors. Ok, bon, je peux pas me TP. Déjà, ça c'est clair. Passage. Petit événement public, ça fait pas de mal. Ça rapporte toujours un peu d'argent. Zut. Putain.
Et franchement, je trouve qu'au niveau graphique, il a pas tant perdu. Le seul truc que je trouve pas ouf, c'est vraiment les visages. Zut. J'étais pas encore saute. Les visages des. Les animations des visages et les visages sont assez. Assez raides. Mais sinon, en vérité, au niveau graphique, il est. Franchement, assez beau. Hein. Je trouve que. Ça va. Bien sûr, hein, on n'est pas sur du Odyssée ou du Valhalla, c'est clair. Mais de toute façon, c'est Assassin's Creed, ça a toujours été beau. Ça c'est fait. Pousse-toi. Parfait. Par contre, j'aurais su, je l'aurais fait depuis une cachette, ce qui m'aurait permis d'avoir quelque chose, enfin de terminer ma mission bien, parce que là ça va être chiant. Tireur rendu furieux, merde, ça aussi, j'ai pas fait gaffe. Il en reste des tireurs seulement, parce que là du coup je les ai tous butés. Oui, il en reste. Même pas Ah, c'est ça. pas des tireurs, ça. Putain, c'est chiant. Là, il y en a un, en bas. Ah, c'était sûrement sans importance. Par contre, là, je vais avoir possibilité de faire depuis une cachette, si je me débrouille bien. Quoi que ça va être tendu, hein. Ça va être genre super tendu. Vous voulez pas vous rapprocher un peu, les gars, non? J'ai une solution pour. Pour niquer le game, entre guillemets, mais. C'est pourri. Une minute. Ouais, c'est mort. Ok. Le problème, c'est que j'ai éliminé l'autre. Ça m'embête beaucoup plus. Je me demande, franchement, je crois que je vais la refaire. On va la refaire direct, ça sera mieux. Ça me laissera la possibilité de faire les deux objectifs. Enfin, au moins celui des tireurs, parce que celui-là, je peux le faire qu'à l'extérieur.
Et l'autre, je pourrais le faire à l'intérieur, c'est pas grave. C'est pas grave. Les tireurs, il y en a que 2 ou 3. Ouais, il y en a 3, 4 en tout. Ok. Je dois atteindre l'armoire. Je vais peut-être être à peu près là du coup. Ok. Zut. C'était quoi ça? Ça c'est moins bon. Je sais pas ce qu'il y a derrière moi, faut pas que je me retourne. Oh là, c'est en train de s'énerver ici, d'accord. Ouais, alors je sais pas si ça valait le coup de recommencer, j'ai plus de fléchettes. Alors déjà, c'est pas grave, je la referai plus tard. Allez hop, on s'en fiche. On va faire ça bien. Malgré tout. Alors, l'arrière salle. J'en sais rien, mais si t'as un peu de bon sens, tu chercheras pas à savoir. Est-ce que tu veux que certains n'aiment pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. C'est tout. Alors, la question, c'est comment descendre. J'ai trouvé. Caligula condamna à mort ce qui était assez sacrilège pour se déshabiller devant l'image de l'empereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, qui étaient ou des actions indifférentes ou des actions héroïques, qui eût osé penser qu'elle pouvait mériter une peine plus douce que la mort? Eh bien, qu'y a-t-il? Hein? Combien de temps faudra-t-il encore patienter? D'autres affaires m'attendent. Fais preuve d'un peu de patience. Le grand maître tient Oula. À ce que les politiciens soient partis. C'est un peu hasardeux comme filature. Oui, tout deviendra clair. Ça ne me plaît pas. Notre plan est encore trop fragile. Et n'oublions pas que la Lafrenière est toujours aussi impatiente. Ça sera mieux. Au bûcher. Vous n'avez pas appris la nouvelle? Quelle nouvelle? La Lafrenière est mort. Il y a quelques heures. Les assassins. Voilà qui semble bien commode. Ah, c'est l'avantage avec les assassins. Parlez-leur d'un complot templier et ils chercheront pas à en savoir plus. Ils tueront sans poser de questions. Ils sont si prévisibles. Venez, allons chercher le capitaine avant de commencer. Je suis sûr que j'aurais pas dû me mettre là. Oui, bien sûr. C'était obligé, bien sûr. Et là, par contre, je vais peut-être avoir possibilité de faire un de mes assassinats. Rapproche-toi. Ah non, ça a pas compté. Je suis dégoûté. Viens pas par là. Viens pas par là, tout va bien. Il court le bougre. Mais il y a du monde.
peux pas trop courir en fait. C'est terminé. Tchon. Presque. Écoute-moi bien. Je peux continuer comme ça toute la journée. Mais toi, tu ne tiendras pas plus d'une heure, peut-être deux. Moins encore si je te travaille à la lame. Alors autant écourter ton service. Dis-moi où il se trouve et je mets fin à tout ça. Plaît-il ? Tu vois quand tu veux. Oui. Nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. J'arrive tout de suite. Vous avez entendu la fouine, les gars. Super. Ils l'ont assassiné. Merde, je l'avais pas vu. Allez, c'est pas grave. On va faire un peu de carnage là. Oh merde, la grenade. Ok, ça c'est bon. Engin. Heureusement que j'ai acheté une épée surcheatée. Et on est bonne. Voilà comment on est discret. S'il n'y a plus de témoins. Il n'y a pas de soucis. Tuer et en finir une fois pour toutes. Un tueur, une lame, un couloir sombre. Ce serait facile. Nous voulons un condamné, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand maître, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Siver et le roi des thunes. Siver et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on sait les guider. Et la fille de Delacer ? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment ? Mademoiselle Delacer se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand chose à lui dire. Élise ! Les enfoirés. Ils vont essayer de buter Élise alors que c'est une templière. Vous avez eu affaire aux assassins, vous aussi, si je peux me permettre. Merde! Oh là là, mais. La discrétion, zéro, hein. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. J'aurais vraiment dû prendre la porte, déjà. Ça m'aurait peut-être permis de. Et ensuite, j'aurais dû scanner la zone un peu. Attrapez-le! Surveillez les issues! L'espion va tenter de s'échapper! Alors, il y a quoi comme issue? C'est ça la question. Merde. Bébé, pas par là. Putain, mais. Oh là là, je suis mauvais ce soir. Mais mauvais, mauvais, mauvais. Alors, on va la faire à la vénère. Non, mais il y avait des issues là, les gars. Il y avait des issues. Donc, ça, c'en est plus une. Ok, ça marche. Alors. Attrapez-le!
Non, c'est mort. Putain, une fenêtre, bordel. Ou une porte. Mais sérieusement? Je n'abandonne pas, je sais que je vais t'avoir. On va être retourné quelque part. Ok, c'est... C'est comme ça. Ouais, par contre, j'en ai pris une. Ça, c'est moins cool. Vous êtes beaucoup, les gars. Vous êtes quand même beaucoup, là. Genre, beaucoup, beaucoup. Je sais même plus par où partir. Tellement ils sont. Ok. Ça a failli très mal se passer. Trouvez l'espion. Putain mais... Je suis surtout en train d'essayer de me dire mais est-ce qu'il y a une sortie quoi? Oh merde. Attrapez-le. Alors d'habitude c'est pas un souci de faire le secteur, mais là c'est compliqué quand il n'y a pas d'ouverture. Alors, j'ai été en bas, il n'y a rien. Là, c'est de là où je viens. Il n'y a que dalle. L'espion va tenter de s'échapper. En bas, j'ai été, il n'y a rien. Ni à droite, ni à gauche, mais... Attends, parce qu'il faut bien que je mate. Il y en a un derrière moi, mais là, il n'y a rien. On va sortir par là. Là-bas, il y avait une porte verrouillée, mais j'aurais pas le temps de l'ouvrir. Attrapez-le ! Hop. J'aimerais bien tenter un truc. Y a pas normal. Genre. Surveillez les issues. L'espion va tenter de s'échapper. Ça. Attrapez-le ! J'espère que ça a passé. Alors on va prier. Disparition. Surveillez les issues. L'espion va tenter. Bon, on va tenter de déverrouiller l'appart. Je vois pas comment sortir autrement. Oui, bah c'était bien ça. Allez, toi dégage. Il y a un voleur. Allez, on se fait le voleur au passage. Avant de se tirer de la zone. Hop. Voilà. Et bah c'était pas facile hein. J'ai fait bien de la merde surtout. Ça sera mieux la prochaine, on va dire. Pitié, si je vous ai... Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce que je voulais voir, moi, s'il est consommable ?
J'ai pas. Ça, j'ai. On va tout racheter. Parce que j'en ai marre d'être en déj de tout. Ça m'énerve un peu. Du coup, on va tout racheter. J'ai de l'argent. On va en profiter. Ok, on est bon. Ensuite. Bah, elle est où la prochaine quête principale? Je suis myope ou... Il y a plus de quête principale là. Allô? Les gars? Où est la quête? Merci. Oui, j'étais bien aveugle, tout va bien. Je ferme bien la fenêtre. Alors. Tu me caches des choses. Vous osez. On n'a rien vu, tout va bien. Alors, là on est bien. Là on est très bien. En plus j'ai une armure, j'ai un peu plus d'argent que ce qu'il en faudrait à ce niveau-là de l'aventure. Du coup je suis bien. Au niveau armure je suis pas trop mal. C'est pour ça que je prends pas trop de dégâts et que je mets très cher. Surtout j'ai la dernière épée du jeu quoi. Où était-ce? Une des dernières. L'hôtel voisin. Diable. Et merde, c'est pas grave, y a pas le temps. Quand je vous dis que mon épée est un peu trop puissante pour mon niveau de jeu. Que se passe-t-il? Où est Monsieur Lafrenière? Il est mort. Quoi? Va, je t'expliquerai. Oula. Lui, on va devoir le combattre. On y va? Allons-y. Certaine de savoir où est la sortie. Je vais grimper, jeter un coup d'œil. Oh purée, c'est super chiant de sortir de ce labyrinthe. Alors. Le must, c'est d'ouvrir. Ouais, je vais ouvrir la porte, hein, on va se faire les deux yards. Ouais, j'en ai une. J'en ai une, mais on va devoir se taper deux yards.
Ah, attends, j'ai un petit peu de quête quand même. J'ai pas vu. J'avais pas vu. J'ai des doubles assassinats à faire. Et des tirs dans la tête à mettre. Alors. Du coup, je pense qu'on va leur régler leur compte d'ici. Trop loin. Comment va-t-on sortir d'ici? Où va tout ce petit monde là? Tout le monde qui s'excite du coup. C'est con, oui, il m'aurait permis de faire un joli double assassinat. Bon, c'est pas grave. Si au moins j'en ai une sur les deux. Hop, let's go. Reconnais-le, tu es perdu. Non, du tout. Mais par contre, je suis pas sûr d'avoir le niveau. Et ouais, c'est bien ce que j'avais pas vu. Et merde. Ah là, par contre, j'ai fait le con. Alors. Alors où? Oui, alors c'est bon, deux secondes. J'ai besoin d'analyser un peu. Tac, par là. À moins qu'il y ait un raccourci. Comment va-t-on sortir d'ici? Allez, stresse pas, je connais la sortie. À peu près. Merde! Et le truc, c'est que si je cours là, je pense pas pouvoir faire un double assassinat. Je crois pas. Ça serait magnifique, hein. Mais j'y crois tellement pas en vrai. Faut essayer. Oh, j'ai réussi. Eh si, c'est passé. Bon, bah c'est cool. Ça veut dire qu'il m'en reste plus qu'un à faire ici. La sortie est juste là en plus. Tu as une idée de génie ? Oui, le truc c'est que je sais juste pas comment faire le double assassinat qui manque. Donc va falloir que je réfléchisse. Il y en a deux devant nous. Prends celui-là. Et merde. Je charge de l'autre. Et maintenant ? Ils sont trop nombreux pour qu'on les contourne. Il va falloir qu'on agisse ensemble, qu'on les élimine discrètement. Je crois qu'il n'y en a plus. La voie est libre, mais un autre groupe approche. Vous avez vu une jeune femme passer par ici? Non. Un petit coup puissant là, hop. Attends, ça tireurs. Passe à travers. Je les vois. Merde. Tu auras peut-être un meilleur angle de vue sur le toit. Le paradis des assassins. Elle va se le faire. Je crois que c'était les derniers. Ne prenons pas par ici. Parfait. Ah, je suis dégoûté par contre pour les doubles assassinats, fallait faire dans le labyrinthe. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Trouvez-les.
des séquences qu'il va falloir que je recommence. Attends, je l'ai dit, frère. Fais-moi confiance. Allez, je vise 200%. Donc, je t'expliquerai tout. Tu es fou. Compte sur moi. Il se peut que je sois en retard. Et merde. Alors, est-ce qu'on a de quoi monter? On va juste éviter les tirs déjà. Oh putain, ils sont beaucoup. Et il y en a encore là. Putain, il n'y en a qu'un qui me voit à chaque fois. Hein. Ça va être tendu. Et merde. Arrêtez, j'ai paré là les deux fois. Tout de suite. Je suis pas sûr qu'il y ait une sortie par contre par là. Allez, s'il y en a une, on y croit. On est bon. Chapitre 6, réunion secrète. Parfait. Qu'est-ce que tu prépares ? Oh, je suis pas un tueur, je ne fais que faire respecter l'ordre. Oh, un petit peu, d'accord, ok. Je peux tuer quelqu'un, mais je vais pas le dire. Tac tac tac. Attendez, on va aller récupérer l'argent. La moula. Beaucoup de travail aujourd'hui, monsieur. Et on va regarder s'il n'y a pas une petite mission coop à faire. Ça pourrait être sympa. Alors, suivi de progression. Mission coop. Tac. Il y en a plein. Alors, le problème, c'est d'attendre qu'il y ait du monde. Des fois, ça va vite. Des fois, c'est très chiant. Tac. Tout petit peu plus rapide. Bon, on va maintenir, on va étendre. Ça va étendre à une autre mission. Mais c'est au moins pour vous montrer une petite mission coop. Ça peut être sympa. Bah voilà, c'est parti.
Alors par contre, sur quoi on va tomber? Ça, c'est un mystère. J'espère pas une que j'ai finie déjà. Ça serait bien. Oh mon Dieu, les chargements. Je crois que je l'ai pas fait. C'est à votre tour de verser votre sang. Les rois de l'Élysée, le révolutionnaire assoiffé de vengeance. Il y a eu la déclaration des droits de l'homme. Qu'en est-il de ceux des femmes? Robespierre t'a déclaré ennemi de l'État. Tu n'as aucun. Les Jacobins n'avaient pas dans leur cœur. Ils ont failli la tuer à coups de fouet. La terreur prend fin ce soir. Une vraie révolutionnaire. Et tâchez de mieux viser que Robespierre. C'est tout ce qui reste des Jacobins, le parti radical qui a soutenu la terreur. La semaine a été dure. Maximilien Robespierre, chef de file des Jacobins, il m'en va. Le tunnel est prêt. La petite tête. Les Jacobins se préparent pour leur parti de l'autre. Ils vont fuir par là. Infiltrer la plante des Jacobins, ils mettaient fin à la terreur. Des... On est combien? 2 sur le coup. Ok. Ah ouais, il y a du monde. La planque est trop bien gardée pour que Terwan et ses alliés puissent y pénétrer. Voyez ce que vous pouvez faire. Sérieusement? Je vais te trouver et te tuer. Oh merde, je l'avais pas vu. Ok, là on est safe. Ça serait bien s'il était avec moi. Ou qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter de passer par où lui? Viens avec moi. Viens copain. Non, tu veux pas. Ah, il a trouvé l'entrée. C'est bien. Au moins, il va m'aider. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Viens là. Viens ici. Viens avec moi. On va essayer de faire un double ici. Mais faut qu'il s'approche assez. Maintenant. Et cet enfoiré n'a pas sauté, il a fait qu'attendre. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça arrive encore. Pas trop le temps, moi. Mais il est passé où, l'ami? Il a disparu. Ok, c'était sympa. Ok, je m'en doutais, j'avais pas vu les tireurs.
Il va se faire découper. Et je vais pas pouvoir le résumer. Non, c'est bon. Bon, allez, on n'a pas le temps. Faut que ça avance. Esquive. J'ai pas le temps. Parfait. Dernière faveur à vous demander. Trouvez les souterrains et tuez ces Jacobins avant qu'ils ne s'échappent. Attention, il en reste là-haut. Oh merde. Oh putain. Oh, la lame fantôme, ce que j'aime cette arme. Merde. Voilà. Vous devez trouver l'entrée des souterrains. De récupérer quelques lames fantômes au passage, ça peut être bien. Non, que de remèdes. C'est pourri. Descendez dans les souterrains et éliminez les cadavres. Bon, par contre, j'ai plus de vision de l'aigle, alors. Je sais pas où il y a des ennemis. Là. Ouais, il s'est mis à couvert avant moi, il m'a piqué ma place. C'est un malade. Il y a un point de compétence juste là. Et lui, ça serait bien qu'on le rate pas, mais ok, let's go. Je sens le point de compé, il est tellement prêt. Quelque chose se prépare. Mais qui s'en prend à nous ? Oh là là, le bug que je viens de me taper. Celui-là, il est pas legit, hein. Ah non, il est en haut, le coin, le point de compétence. Je suis dégoûté. On l'aura pas. On l'aura pas, on l'aura pas. Bon bah. Oh, il y en a des deux côtés, super. C'est mon devoir de patriote.
Allez, j'ai pas le temps. Et il a pas réussi à faire son assassinat, c'est ce que j'allais dire, c'est bizarre. Il a pris un tir. Attends, mais il est complètement glitché, le gars. Il est censé être mort déjà. Ok, let's go. Ah ouais, c'est comme ça, bah les gars, moi je peux vous dire que vous allez me saouler. Oh non, j'ai pas pu le passer. Bon, il me l'a pris, c'est bon, tout va bien. Les endroits pour se planquer dans ces tunnels, c'est vraiment de la merde. Il n'y en a aucun qui va venir là. Oh les saloperies. Ça va être compliqué les amis. Ah, j'ai bien une technique mais elle est pas discrète quoi. Ok. Ça va peut-être nous faciliter la tâche. Voilà, ils vont tous péter un plomb entre eux, c'est parfait. Et là, on n'a plus qu'à regarder le spectacle. La deuxième. Lui est en train de se demander ce qui se passe. Ah, si c'est un Assassin's Creed, il doit comprendre, je pense. J'espère pour lui. En vérité, ils sont quasiment tous de dos. Ça vaudrait quasiment le coup de foncer dessus, mais...
Est-ce que je touche d'ici? Oui, je hit. Alors, faut juste que je touche une tête. Parfait. Super, la visée. Hein. On l'a visée au hasard dans le photo. On l'a adoré. Allez, let's go. Le dernier, j'ai plus le temps. C'est bon, c'est fini. Ah, il y a un point de compétence là. Je te vois, il est juste là. Chier. Sérieusement, mais ça va être tendu, hein. Alors, comment qu'on va faire? C'est bon. Ah, j'adore la précision de ce jeu. Oui, je l'ai eu. Est-ce qu'il a compris? Oui, il a compris. Il a compris ce que je visais, je vais l'attendre 2 secondes. Yes. GG man. Tellement cliné la zone que là il y a juste à courir comme des abrutis et ça passe tout seul. Alors par contre il est où ce point de compétence, parce que je l'ai vu mais je sais pas où il est, j'arrive pas à le trouver. C'est quoi ça? Il est censé être derrière l'église en fait. Théoriquement, on a fui les catacombes là. Ah ouais, mais par là-bas. Ah oui, d'accord. C'est qu'on n'a pas pris la bonne sortie. Là, il y a un point de compé. Il est ici. Il est juste là. Parfait. Il y a même un coffre que j'avais pas pris. On en profite. Parce qu'on est dans une zone que je ne connais pas. Alors. Bon. Alors faut sortir des catacombes. Ce qui est fait. Mais faut sortir par là-bas. Alors, on y va. On dirait qu'il y a de l'agitation.
Bon, il faut que je l'attende. Voilà. Je suis sûr qu'on aurait tracé de l'autre côté, c'était quasiment... Hein. On aurait été beaucoup plus vite. Les Jacobins n'ont jamais repris le pouvoir en France. En partie grâce aux assassins. Il nous manque 2 points de compétence, mais on est pas mal. Donc voilà, une petite mission coop. Désolé, j'écrivais un message, fallait que je réponde à quelqu'un, je suis désolé. Alors, nickel. Du coup, on va commencer la session 7. De toute façon, il y a 12 chapitres, je crois, sur celui-là. Donc il y a de quoi faire. Excusez-moi. Bien dormi, monsieur ? Trop violent. J'ai pas le temps. Chômé, on dirait. J'ai traqué l'homme qui a tué ton père. Oui. C'est impossible. Il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je l'ai vu. Quoi ? Quand ? Où puis-je le trouver ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Elise. Quoi ? Tu cherches à me protéger ? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Je ne fais pas confiance aux assassins. Et moi, tu me fais confiance ? Bonne gueule, le bon français. Je suis toujours le gamin qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pommeraie infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Conduire une templière chez les assassins. Quelle bonne idée. Ah, c'est Elise, c'est notre amie d'enfance. On lui pardonne tout. Serait-ce ?
maudit Templier. Mais que fait-il ? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. Deux virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu ? Super. Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer, donc tu la ramènes ici. Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence. Eh bien, qu'avons-nous ici ? Bonjour, mon ami. Je m'appelle... Au nom du ciel, retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'ordre des Templiers. Je suis venu vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat ? Il le faut, et nous le ferons, Maître Kemar. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre ait une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, Mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serais pas adressé à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'Ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute ? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Belek, il suffit ! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, Mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Hey, Arnaud. Hé hey Arnaud, c'est ce que t'entends dans tout le jeu, partout, dans toutes les villes, enfin, aïe, pardon, dans tout Paris t'entends ça, les gens te connaissent partout, t'es vachement discret, t'es un assassin mais tout le monde te connaît. Ok. Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patient. Mirabeau va les raisonner. Tu penses vraiment qu'on le trouvera, après tout ce temps ? La chance finira par tourner. François Germain pensait que Lafrenière était... François Germain ? Oui. Où est-il ? Il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi ? Qu'est-ce que... Élise ! Étrange manière. Pas si vite ! Alors là, c'est compliqué de la suivre. Calme-toi, ou je te plaque. Vraiment, au sol. Élise ! Mais calmez-la, raisonnez-la. Elle est où ? Là. Qu'est-ce qui te prend ? Où est-ce que tu vas ? Arnaud, comment te portes-tu ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Je me rappelle plus du tout. Qu'est-ce qui t'arrive ? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi ? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques de Molay, je n'en suis plus sûr. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé la nouvelle ? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Du coup, oui, ça devient plus intéressant. Personne. En haut, c'est là qu'il avait son atelier. Allons-y. Ce n'est peut-être pas le même Germain. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes. Oui, bon, c'est probablement le même.
On dirait qu'il n'y a personne. Elise ? Ne me dis rien. C'est un piège ? C'est un piège. Crève, faux patriote ! Hey, regardez qui voilà ! Tuez-le ! Attention, celui-là est un vrai diable. Qu'est-ce qu'ils appellent étourdi ? Ça me rappelle cette fois à Marseille. Je sais plus ce qu'ils appellent étourdi. Je crois que c'est à main nue. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durerait pas. Alors on l'a de nouveau perdu. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermé. Peut-être qu'on peut... faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud, regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. C'est possible. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Reste au sol. Tu les vois ? Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Attention ! Voilà. Initié, ici Bishop. Tu me reçois ? Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas German, grand maître des Templiers et le sage que nous cherchons. À en croire nos infos, c'est le deuxième sage attribué au plus haut échelon de l'ordre des Templiers. Ce qui est plutôt inquiétant. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur Germain. S'il a survécu à ce grand maître, il nous confiera. Bishop est mieux. Donc du coup on a François Germain, c'est bon. Informer Mirabeau. Eh ben let's go. Ouais, je vais vous faire le plaisir de pas vous faire trop d'explos, on va faire beaucoup de quêtes surtout. Ce sera mieux, ce sera plus sympathique au niveau gameplay. Parce que sinon c'est sympa de découvrir la ville de Paris qui est super bien faite, mais c'est grand. Paris c'est très grand, voyez. C'est un peu grand, voyez. Ravi de t'accueillir. On se pousse. Descendre cette table, Arnaud. Oui, la suite des escaliers est bien là. Élise ? Monsieur Mirabeau ? Je le sens pas, là.
Alice. Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. C'est la merde. Va falloir enquêter, là. Arnaud mène l'enquête. Puisqu'on a des enquêtes d'assassinat dans celui-là. Alors. L'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Alors, là, il y a un journal. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. Et la dernière. Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Principalement des Templiers. Nous, on est plus des bourrins chez les assassins, on n'a pas trop le temps. Accusé. Mais pourquoi je vais accuser... Ah, c'est que je peux accuser Elise. Ah ouais. Du coup, non, il va falloir que j'aille sur le deuxième lieu d'enquête. Kemar, c'est un mec. La journée a été bonne, monsieur. Ah ouais, Kemar, c'est un des mecs de l'ordre. Une belle recette. Et oui. Il nous aurait pas trahi quand même, l'enfoiré. Il aurait pas osé faire ça. J'espère surtout que je suis au bon endroit. Parce que s'il était à l'entrée des catacombes, je l'ai vraiment dans le baba, comme qui dirait. Non, c'est bon, il est là. Il est bien là. Traître! Comment vas-tu, mon ami? Pas bien. Il y a un traître parmi nous. J'en suis où au niveau du rang d'assassin là? Exécuteur, vétéran, officier, champion, assassin, maître, légende. Ok. Bon, on est pas mal. Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler Élise ça. Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions.
Merci. Je peux accuser Kemar aussi? Maître Kemar. A entendu parler d'un... Ouais, je peux l'accuser. Ah ah! On va aller voir au troisième lieu d'enquête. Ah oui, une enquête n'est pas complète si on n'a pas toutes les informations, bien sûr. Hop, ça c'est fait. De toute façon, il me reste plus rien à explorer dans la zone. Je crois qu'il y a juste un coffre ici. On va voir. Ça se trouve, j'ai peut-être le niveau maintenant. Mais c'est pas sûr. Et non. Ah, bonjour, citoyen. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Attendez. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut que je regarde surtout. Discrétion, compétence de crochetage. C'est bien ça. Séquence 9. Est-ce qu'il y a des compétences dans celui-là? Alors du coup c'est un peu plus le bordel. Santé. Séquence 9. Pareil, bah essayez, écoutez, on va essayer d'arriver à la séquence 9. À 8 là je crois. 7 ou 8. Je sais plus. Je sais même plus. Voilà. Allez, on se pousse. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois. Ah, bravo. Attends. Bon sang, reviens ici. Arrête. Attends. Laissez-moi tranquille. Passer par-dessus, par-dessous des objets. Ah, je supporte pas quand Arnaud fait ça. Viens ici, arrête. Attends. Il est là. Je veux seulement te poser des questions. 4. Laissez-moi tranquille. Ah. Et là il va se tirer à force. Oh là là, ça craint. Ça craint, ça craint. Il a l'air de s'amuser. Ça craint, il faudrait que j'utilise un élévateur encore. Mais j'ai le temps en vrai, si je le plaque pas au sol, on est bon.
Enfin, j'espère. Ça se trouve, au bout d'un moment, il se tire vraiment. Voilà, j'ai large le temps de le plaquer au sol. En vrai. Merde. Tu veux pas te tirer loin? Je te laisse refaire un tour si tu veux. Mais. Oh purée. Des bugs de placement d'Assassin's Creed. Au secours! Allez, vas-y, je te laisse refaire un tour. Oh là là, qu'il est chiant. Parce que je suis pas sûr de pouvoir ni prendre ni un élévateur ni une fenêtre là, à la position où il est. Va de l'autre côté, fais quelque chose, je pourrais te plaquer 100 fois, mec. Putain qu'il est chiant, pardon, excusez-moi. Mais il n'y a pas une fenêtre, c'est que des... Oh là là. Il n'y a pas un élévateur non plus. Quelque chose sur lequel je puisse monter. Quelle charrette ? Personne ne m'a parlé de charrette. Ok, donc là je peux pas. Je parie qu'il va se rompre le cou. On va essayer de pas rester trop loin non plus. Histoire de pas fumer ma mission. Une fenêtre ou un élévateur, s'il vous plaît. Là, il y a peut-être de quoi. Oui. On y croit. Oui, la double. Pardon, excusez-moi, c'était un peu chiant, du coup. J'aurais pu le plaquer 100 fois. Bouge pas. Ce coup-ci, j'ai pas trop le temps de courir pendant 3 heures. Je vais te couper les routes et. Voilà. Mais ça, c'est une séquence que je n'aurais pas à refaire. C'est déjà un point positif. Oh, pitié! Je n'ai rien dit à personne! J'ai fait ce que vous m'avez dit! Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche. Parle-moi de cet homme. Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage. Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose? Tenez. C'est tout ce que je sais, je le jure. Oh merde. Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, j'ai besoin de la sauvegarde pour voir où est ma quête, c'est mieux. Ok. C'est quoi? Ouais, c'est le palais de justice. Hein. Et bah, let's go au palais de justice de Paris.
Ah, et ça fait du bien, mine de rien, après le taf, de pouvoir zigouiller des petits gens. Ouais, je suis un peu psychopathe. Non, mais c'est Assassin's Creed qui me rend comme ça, je suis désolé, excusez-moi. Justement, on peut pas le faire dans la vraie vie. On profite sur les jeux vidéo. Tellement de gens qui mériteraient de prendre un coup de lame secrète. Mais voilà. Ça reste dans le jeu vidéo et c'est très bien comme ça. Merde. Ouf, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Confrontation. Le meurtrier de Mirabeau a laissé une piste. Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste? Tu te prends pour un chien de chasse? Quelque chose comme ça. Allez Arnaud, descend. Non, descend, on a dit. D'un côté, de l'autre, comme tu veux. Ne remonte pas, voilà, c'est bien. Attendez, je vais en profiter. Ça, c'est des points de credo Voyons si tu trouves cette piste. Gratuit. Ça grimpe. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Alors. De deux choses l'une. Il faut que je le fasse seul. C'est les assassins, c'est mon clan. De deux, je t'en prie. Reste de ton côté, j'ai pas envie que tu meures, s'il te plaît. Je comprends. Reste tranquillement dans ton coin, voilà. Et ça évitera des problèmes. Pas mieux de revenir vivant. En plus, c'est mon crew là, c'est à moi de gérer, wesh. Pardon. Je déconne. Tout en haut. Il y a bien quelqu'un. Ah, c'est... Il t'en a fallu du temps, merdeux. Bellec? J'aurais dû non. savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau. C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable ah de ouais. pouvoir sauver la confrérie. C'est un assassin psychopathe. Je crois que c'est la première fois que ça se produit. Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants. Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Massiaf. Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Mais cette fois, on s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation. C'est un peu ça. Une armée. Et dans une armée, pactisée avec l'ennemi. Revient à trahir. Mais non,
suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Belek, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Belek, je t'en prie. Allez, c'est parti. Reviens avec moi au conseil et nous réglerons ça en ce temps de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Ah, c'est ça les frappes étourdissantes. Je vais pas le tuer. Ouais, voilà. Et nous réglerons ça en temps de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Oh, encore une petite, la Belek. Ah ah ah, stop. Oh non. Ah, oh, je suis dégoûté du coup à trop faire le con, je l'ai laissé m'attaquer. Bon bah tant pis. Ah, y'a plus le temps là. Tu n'es que pauvre merde de sans cervelle. Oui, c'est ce qu'on dit. Genre j'ai pas eu le QTE du deuxième quoi. Avec le nombre de fois où j'ai cliqué, j'ai pas eu le QTE du deuxième, c'est normal. Tu étais si prometteur! Je te croyais capable de penser par toi-même! Je le fais, Belek! Mais je ne. Je ne pense pas comme toi! Car moi, je suis libre! J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Oh merde, j'ai paré trop tôt. Le combat contre Belek, il est interminable. Arnaud! Je n'ai rien. Reste où tu es. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille! Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Belek! Tu ne me laisses pas le choix! Si seulement tu pouvais comprendre! La confrérie retrouvera une puissance qu'elle n'a pas connue depuis deux siècles! Oh oui! Tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de remettre ses cendres! Alors, comment on va faire pour. Je suis même pas sûr de pouvoir le rejoindre, hein. Enfin, je suis même pas sûr qu'il soit là-bas, je pense que si, mais. Non! Attention! Ah, il était bien haut. Alors. Maintenant, au moins, c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Belek,
Tu me remercieras. Un jour. T'es un fou, toi. Fais pas ça. Allez, vas-y, tape. Pas le choix. Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merde. Fais tomber ça. Eh bien. Tu sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix. Le mec qui a libéré mon père et moi derrière. Et ouais, il faut le tuer. Dommage. Tenue de maître assassin Bellec. Ah, pas mal. On va peut-être arrêter le live après ça. C'est bien. Encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données puissantes d'Abstergo sans laisser un peu de désordre, non? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs, fait fondre quelques serveurs. Eh, pas mal. Alors, là faut vite se tirer avant que le monde se détruise. Et que je sois bloqué dans la simulation. On est si proche que ça? Non. Il y a du time, mais bon. Non pas que je vais arrêter le live tout de suite, mais c'est vrai que ça ferait une très belle fin en vrai. C'est pour ça. Que je serais chaud pour arrêter maintenant, parce que j'avoue que ça ferait une très belle fin. La mort de... Sauf si j'ai un super assassinat à faire derrière. Et là, j'avoue que... Potentiellement, je dirais pas non. Mystère résolu. Et nous y revoilà, en plein chaos de codes endommagés. Cette fois, le portail est en hauteur, à quelques centaines de mètres du sol. Donc les failles, là on est dans une faille hélix. En gros, c'est un passage entre les dimensions. On est dans un Paris, mais d'une autre époque. Ah, là on est pleine période, ouais c'est ça, 45 j'allais dire, bah ça pouvait pas être plus correct.
Ok, c'est comme l'autre fois. Ne traîne pas en route. Les mémoires incomplètes sont bien trop dangereuses. Tu dois trouver une issue. Je vais faire de mon mieux pour vous. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de passer dans la lumière, mais bon. Qu'est-ce que je disais? Et comment on monte après? Ok. Oh merde. Oh fuck. Oh merde, sérieusement. Il n'y a pas le temps. Ok, toi, m'embête plus. Alors, par où? Bah, par le ballon, je suppose. Tout est indiqué pour. Ah. Ah, le portail est vraiment tout en haut, ouais. Voilà ton issue. Fais vite. Oh fuck! Pardon. Plus vite, Arnaud. Il y a un endroit sans barbelé. Oh, 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 je suis baisé. Je saute à droite. Oh. C'est bon, enfin à gauche, pardon. Ouais, on est bon.
Eh, y'en a. Ouais, non, j'ai fait des conneries, c'est pas là qu'il faut monter. Je ne cherche pas à t'alarmer, mais ce portail est très instable. Oui, je sais. Bon sang, il a disparu. Poursuis ta route, on va le rouvrir. Ah. Ça devrait faire l'affaire, tu vas devoir sauter. Trop stylé. Passerelle entre les serveurs, la résistance. C'est nickel ça. Ça avance bien du coup. Ça avance bien, ça avance bien. Et nous sommes de retour. Merci, Deacon. Essayons de limiter ces transferts au maximum, d'accord? Eh, c'est à ton initié qu'il faut dire ça, ma jolie. C'est pas moi qui laisse mes empreintes numériques aux quatre coins de Paris. On croirait une meute de chiens de chasse. C'est noté. On t'appellera si on a besoin de toi. Je suis informé par ici! Par ici! Eh, je suis là, l'ami. Viens, tu dis-je. Tu dois lire ça. Moi-même, je n'y croyais pas. Alors, on va regarder tout de suite. Suivi de progression. Bon, allez, on se fait la petite prochaine. Oh, pour le plaisir. On se fait les deux missions là et puis on va arrêter pour ce soir. Mais on se fait les deux prochaines. Attendez, ça c'est des points gratuits. Hop. Ah, mon ami, bonjour. Dans quoi nous engageons-nous? Vous m'avez convoqué? Monsieur Dorian, nous avons un travail pour toi. Vous voulez encore que je joue les messagers? Deux maîtres assassins sont morts, l'un de ta main pour protéger un Templier. Estime-toi heureux que nous ne te punissions pas davantage. Et Germain? Son sort ne te regarde pas. La nuit dernière, la commune de Paris s'est déclarée en insurrection ouverte contre le roi. À l'heure où nous parlons, 20 000 révolutionnaires armés font le siège des Tuileries. Même la garde nationale est visée. Certains beaucoup. De ses membres ont rejoint les insurgés. La France est sur le point d'imploser. Cela devrait nous ravir, non? Le peuple se bat pour ce qui lui est dû. Liberté, égalité. Oui, tu aurais raison si nous ne cherchions qu'à équilibrer une balance. Mais la réalité est bien plus complexe. En mettant de l'ordre dans les affaires de Mirabeau, nous sommes tombés sur des correspondances de nature royale. Mirabeau était en relation avec le roi.
Et ce ne fut pas aussi discret que cela aurait dû l'être. Si les exemplaires de ces lettres en possession du roi étaient rendus publics, les Templiers seraient en mesure de révéler qui sont nos agents et de les éliminer partout en France. Je dois donc m'assurer de les trouver avant eux. Au plus vite, les gardes suisses sont en difficile posture. Ils seront probablement débordés avant la tombée de la nuit. J'ai pris l'habitude d'entrer sans invitation. Ah, super, faut que j'aille voler les appartements royaux. Ça va être sympa. Il va y avoir les gardes encore. À l'épaule, on joue, feu, bien joué, reprenez position, vive la nation, vive la révolution. Salut, salut, merci, merci à El Suras pour tes good vibes. Des émeutiers laisse à désirer ces temps-ci. De nouvelles lignes de tirage dans la région de la capitale. C'est tendu, hein. J'aurais dû passer par le côté. En vérité, c'est le pire chemin que je suis en train de prendre. Non, il ne restera rien de toi. Là, ça va être chaud. Ouais, c'est chaud. Et en plein milieu des tueries, c'est la merde. Ah, ça passera pas en meurtre discret, je suis dégoûté. Ah, quoique, non, ça passera pas. Oui. Ouais, viens là. On va essayer de faire ça bien. Merde. Je vais t'avoir. Allez, c'est pas grave.
C'est exactement ce que je voulais éviter par contre. Alors on est bon. Ok. Et une. Il y en a une autre de l'autre côté. Ça m'embête un peu. Et la troisième, par contre, je sais pas où elle est. Ok. Moins une. Là, il y a une cloche, mais il y a du monde aussi. Ok. Là, j'ai pas les deux, là. J'en ai même aucun des deux, pour être honnête. Ça va foirer ça. Cette histoire elle va foirer, c'est sûr. Bah ouais. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Parfait. Ça s'est pas si mal passé que ça. Il m'en faudrait une autre. Mais alors là... Ah, il y en a une autre là. Parfait. Il va pas s'approcher. Oh non. Oh, ça c'est pas. Par contre c'est pas cool du tout. Ça veut dire qu'il va falloir que je refasse le tour par le toit. Oh merde. Là c'est moins cool. Ça c'est encore moins cool. Dépêche-toi Arnaud, parce que sinon ça pue. Ah la 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 la. Hop. Je suis toujours là pour ça. Bon, on va refaire. La troisième cloche, et après on peut s'infiltrer tranquillement dans le palais. Tous les coups, il y a un mec sur le toit. Ah bah oui, ils sont même deux. Voilà, ça c'est fait.
en limite d'assassinat. C'est passé. Et là, voilà. Bon, allez, maintenant faut rentrer. Ah putain, manière de... Pardon, excusez-moi, mais en matière de discrétion, on a vu mieux là. Ouais. C'est mort. J'ai le malheur de passer ici, mais c'est fini en fait. Va falloir changer de fenêtre hein, parce que c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Faut pas rentrer par là. Ah si, mais là le massacre. Un peu de discrétion quand même. Je sais bien que je fais pas tout bien depuis tout à l'heure, mais quand même. Y a pas une autre méthode les gars pour rentrer, parce que sinon c'est vraiment ghetto. Hein. Non, pas moi. Moi, je préférerais ne rien avoir à te dire. Bah voilà, c'est ça. C'est bien. Et oui, c'est une entrée, ça. Ah, par contre, il y a du monde, mais genre vraiment. Vraiment. Putain, beaucoup de monde. Parfait. Allez, viens. Petit effort. Parfait. Putain, j'aurais pas pu espérer une meilleure situation, quoi. C'est vraiment... Voilà, c'est pas la meilleure par contre. C'est là-bas. C'est bien ce qui me semblait. De justesse. Arrière! Arrière! N'approchez pas! Oh, j'aurais dû le défendre. J'aurais tellement dû le défendre. C'est Lafayette, ça? Vous n'avez pas l'air d'un révolutionnaire assoiffé de sang. La capuche est quand même un peu sinistre, si je peux me permettre. Vous tenez l'arrière-garde, n'est-ce pas? C'est fort pratique de se retrouver séparé des combats par quelques portes verrouillées. Oh, je ne suis même pas là. Pas officiellement, du moins. Mais ce n'est pas tous les jours que nous avons... Ah, fais-toi plaisir, c'est un magnifique jeu. D'un roi. Vous cherchez quelque chose de précis? Et si jamais tu cherches des gens pour la coop, n'hésite pas à m'MP. Trésor personnel, ce genre de choses. J'espère que nous ne convoitons pas le même butin. Quel est le vôtre? Des lettres qui furent envoyées au roi, qui prêteraient à malentendus
si elle tombait entre de mauvaises mains. Je vois. Eh bien, nous devrions peut-être unir nos forces. On dit que le roi a fait construire un coffre secret. Si nous pouvions le trouver... Là. Trouver... Vous disiez ? Tout à fait remarquable, mon ami. C'est incroyable. Vous avez votre butin ? Une corne d'abondance, oui. Et le vôtre ? Il me semble. Oui. Le voilà. Cela devrait régler l'affaire. Il me semble qu'il est grand temps de partir. Oh, oui. Et vite. Qu'est-ce que c'est ? Notre issue. Couvrez-moi, voulez-vous ? Oh, pas de discrétion. Ce que je préfère. C'était parfait. Ah, il en reste. L'enfer est parmi nous. Bravo. Ok. Pas le temps, les PC pour les faibles. Fouillez partout! Je veux ces documents! Lui! Diable! Oui, le capitaine Rouille fait généralement cet effet-là. Un ami à vous? Une manne en croix que je n'ai pas encore réussi à extraire. Il détient des informations dont j'ai besoin. Je dois remonter là-haut. Le cowboy! Dans ce chaos, vous ne le retrouverez jamais. Venez avec moi, j'ai une meilleure idée. Vous n'avez pas manqué d'allant, là-bas. Je suppose que vous n'avez jamais songé à la carrière des armes ? Je n'ai jamais aimé obéir aux ordres. C'est surtout ça. Ah, un individualiste. Le fléau des généraux et des hommes d'État. Je vous comprends. Les hommes comme nous ont un avantage sur les autres militaires. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Je t'en prie, passe devant moi. Si vous vous engagiez aujourd'hui... Vous seriez maréchal avant 10 ans, je vous le garantis. Une offre alléchante, mais je refuse. Un homme doit suivre son cœur. Venez me voir si jamais vous changez d'avis. Je m'appelle Bonaparte. Ah non, Napoléon, c'est Napoléon. Lieutenant d'artillerie, pour le moment. Arnaud Dorian. Enchanté. Rendez-moi service, voulez-vous ? Si on vous le demande, je n'ai jamais mis les pieds ici. J'ai observé toute cette sinistre affaire depuis un magasin de meubles, au Carrousel. Un visage perdu dans la foule, bien entendu. Est-ce que je peux la déverrouiller ? Faut essayer. Surtout, est-ce que je ne peux pas la déverrouiller ? Oups. Raté. Allez. À vouloir aller trop vite. J'en ai pas raté une seule depuis le début du live, là j'en rate deux. Hop. Ouais, la dernière tourne. Allez mon cher Bonaparte, avançons.
Et maintenant, attendez un instant. Vous devriez vous abriter. Oh. Tout est en ordre, monsieur ? Oui, caporal. Un tir superbe. L'entraînement régulier fait la force d'un régiment. Mieux vaut y aller, monsieur. Nos chemins se séparent. Et pour Rouille ? Laissez-moi quelques jours. Je tâcherai d'en savoir plus sur son affectation. Peut-être pourrais-je arranger une rencontre. Portez-vous bien. Histoire que je puisse le planter, ce serait bien. Nickel. Partie 1. Et il nous en reste une autre. Pour déverrouiller ce chapitre 8. Et elle est... Putain, c'est que dans des zones que je connais pour l'instant. On n'est pas sorti de... des zones que j'ai déverrouillées. Va falloir que je passe chez moi, au café théâtre, histoire de récupérer l'argent que j'ai récolté. Et surtout avant que les banques soient pleines, comme ça je vais pouvoir encore récolter du flouze à balle. Hop là, au passage, sur la route, ça fait toujours plaisir. En plus, double assassinat aérien, donc ça fait des points de credo avec une petite élévation rapide derrière, ce qui refait des points de credo, c'est parfait. Nous voilà chez Bonaparte. Il y avait un coffre à côté de lui, j'ai pas regardé s'il était ouvrable. Ce matin, j'ai été abordé par trois hommes trimballant une tête au bout d'une pique. Ils ont dû prendre mon uniforme pour une marque de noblesse car ils ont exigé que je crie « Vive la République » afin de prouver mon allégeance. La distribution de cocardes tricolores doit être passée de mode. Qu'avez-vous fait ? J'ai crié « Vive la République !» En homme de principe. Ma dignité m'est bien moins utile que ma vie. Voilà ce qui se passe lorsque l'on confie le pouvoir à des fous affamés et le commandement de l'armée à des sauvages trop avides de sang. Rouille. J'ai voulu le faire affecter à une garnison éloignée, mais manifestement, il ne semble pas manquer d'amis très haut placés. Il est intouchable. Mais vous savez où je peux le trouver ? Il se dit dans les casernes qu'il comptait marcher sur le Grand Châtelet avec un détachement de ses sbires cet après-midi. S'il devait avoir un accident, rares seraient les Français à en souffrir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, t'inquiète pas, alors, tout sera bien expliqué. Ne stresse pas, tu vas commencer. Alors, juste, ce que je te conseille, c'est de déverrouiller un truc qui ne sera pas expliqué, mais bon, ça fait partie de tous les guides Assassin's Creed quand tu peux gagner de l'argent rapidement. Tu peux pas recruter d'assassins, mais du coup, par contre, tu peux déverrouiller le café-théâtre. Je peux te montrer d'ailleurs tout de suite où il est.
Une fois déverrouillé, tu vas pouvoir l'augmenter et du coup rapporter de l'argent toutes les 20 minutes. Et c'est un moyen de gagner de l'argent et de te faire ton stuff assez rapidement. Mais sinon, tout est expliqué. Et sachant que la plupart en fait des choses, c'est des compétences que tu apprends toi-même. Personne ne Donc bouge. voilà. Tant que t'as pas déverrouillé la compétence, en général, tu n'es pas apte à grand-chose. Voilà pour le petit explicatif rapide. Allez les gars, trouvez-moi le gardien chef. Le voilà. Enfoiré. Foiré de Templier. Assassiné Rouille. 5 entrées, une entrée secrète, 2 objets. 2 objets à collecter. 40 gardes. 40 gardes! Il y a du monde, hein. On est où aussi là? Ah ouais, oui. C'est bon. Moi je pense que je vais pas me servir des aides. Je vais juste faire un. Je vais essayer de faire un assassinat dans les reps de l'art. La question, ça va être de rentrer. Ça, c'est peut-être le plus dur. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça passe. Ah non, ça passera pas. Ok, là par contre, ça passera. Et là, faut faire attention. Montrez-moi vos mains, monstre. Merci, monsieur. Je ne sais pas quelle est ton unité, mais merci. Ça fera une petite diversion. En reprenant ton poste et en arrêtant ce massacre. Oui, monsieur. Un garde libéré. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple, ce serait quand même de monter à la tour. Ah purée, ils ont équipé des pics partout, c'est vraiment des enfoirés. Ah ouais, je vais être obligé de passer par l'intérieur. Je n'ai pas le choix. Qui a fait ça. Genre il me voit pas. Regardez ce qui dépasse. Ah bah tiens.
Ouais, mais il peut me toucher d'ici. Aïe. Et ça, c'est pas passé en meurtre discret, sérieusement. Faire tout le tour autour de lui. Ok, bon. C'est pas grave. Là, il va falloir attendre le déplacement. Et zut, l'autre s'est déplacé, il se déplace vite. Oh, 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 oh. Non. J'ai eu tellement le seum. J'aimerais bien réussir le deuxième, au moins il est gratuit quoi. S'il pouvait m'oublier, j'apprécierais, vite. Voilà, comme ça il peut me revoir maintenant. Et on va tenter de la refaire en fait. Par contre, faut qu'il se retourne. S'il a bugué comme ça, je suis foutu. Il a bugué, tant pis. Attends, j'ai pas de chance sur les placements. Protégez les prisonniers. Mort aux traîtres. Repoussez-les. Vive la révolution. Tenez bon. Dans la brèche. Restez en ligne. Fais-les tous. Et vous autres, oh. Pensez qu'on meurt. Oh. Éventrez-le. Oh. Allez, prière, prière, faut que celui-là y passe. Il est passé. Allez les gars, tout en haut. Il ne l'aurait pas cette fois. Ah, ils sont encore deux là, c'est moins cool. Chut. Voilà. À couvert. Ben c'est parfait. Vous pouvez pas espérer une meilleure config sans déconner. Allez. Et là. Hé, gardien, ton frère est venu te rendre visite. Ne me dis pas que tu ne veux pas le voir. Oh, allons. J'aimerais entendre ta voix. Vive la révolution.
Je sais pas ce qu'il m'a vu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la liberté? La liberté te dérange? Ah, regarde, tu lui manques. Hé, gardien! Ton frère, tu manques de manière! Observateur! Arrêtez ce chien! Bon, il m'a entre guillemets entendu, mais ça va. Il ne doit pas être loin. Et où? Descends, descends. C'était chaud. Un de plus. Plus qu'un. Il est là. Il est en direct là. Je crois qu'il est juste en face de moi. Je vais juste. Je te tiens. Hop. Ouais, c'est ça. C'est lui. Le mieux, ça serait que je disparaisse et que ça soit lui que je plante. Ça serait le top. Partout les. Mais où peut-il être? Allez. Allez, on disparaît. Vite. Go. C'est maintenant. Si l'on vous a donné l'ordre de nous faire sortir d'ici, vous devez aussi avoir l'autorité d'employer la force, car nous ne quitterons nos places que on est passé trop propre. Je lui ai éclaté la tronche sur le rebord du truc. Tout se réduit à cela et c'est bien le problème. Monsieur Mirabeau. Pathétique, n'est-ce pas? La France ne mérite-t-elle pas mieux? Plaît-il? Palais du Luxembourg. Oui, nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. Vous avez bien dit qu'il parlerait. Vous avez fait vos preuves, capitaine. Marie? Le prix du grain est plus élevé que jamais, grand maître. Nos agents sont prêts à détourner les cargaisons vers nos quais. Ils n'attendent que votre ordre. Bien. Affamez-les. La famine et la colère leur révéleront la vraie nature de leur maître. Le procédé, graduellement. Ce que vous demandez prendra au moins un an, grand maître. Sinon deux. Ce complot, quoi. Ouais, parce que jusque-là, je vous explique. Je veux pas trop vous spoiler, mais en gros. Là, comprendre un minimum qui sont les assassins et qui sont les templiers, surtout qui était vraiment le grand maître des assassins, c'était tout un enfer. On vient de l'apprendre là, quoi. Donc désolé, tu viens de te spoil en m'attendant ce stream. Je suis désolé, je te le dis par contre. Je préfère être honnête. Mission 8. Et bah voilà, nickel. Je vais essayer de vous TP sur une belle vue, histoire qu'on arrête le live en bonne et due forme. Et en vrai, on est super bien là. Bah Notre-Dame, hein. Notre-Dame, c'est très bien. On est en plein milieu de Paris. Regardez ça, c'est pas beau.
Et voilà, café théâtre plein. Donc écoutez, bah je vous dis merci. On va arrêter le live là, du coup. Ça fait déjà quasiment 3 heures qu'on y est. Je commence à avoir faim surtout. Du coup, voilà. Donc je vais vous laisser. Merci encore à tous ceux qui ont suivi. Franchement, je m'attendais pas à avoir autant de monde. On a varié de 3 à 8 depuis tout à l'heure. C'était assez insane. Surtout sur du Assassin's Creed Unity, quoi, qui a été fait depuis un bout de temps. Et bah merci, hein. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci d'avoir été là. Merci Elsuras pour ton soutien et pour le fait que tu aies parlé un peu dans le chat. C'était agréable aussi de communiquer. Merci à tout le monde pour votre présence. Sur ce, moi je vais vous laisser comme d'habitude avec un petit son pour ne pas changer. Et prochain stream la semaine prochaine, je sais pas quand encore. Je vous tiens au courant dès que possible. Et voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Et encore merci. Allez, salut, salut tout le monde. Tout doit être.